Bonjour à tous! Après cette petite intro qui nous a bien mis dans l'ambiance, laissez-moi vous présenter ma participation au challenge original d'EpsiPlay. Alors EpsiPlay nous ravit avec ses challenges, mais c'est aussi un constructeur, même si les délais ce n'est pas son fort, mais ça c'est parce qu'il court plusieurs lièvres à la fois. C'est un conteur de talents, ses machinimas narratifs en sont la preuve, même si je ne peux pas être très objective sur celui du challenge de la ferme des Munch. EpsiPlay joue aussi, son let's play comme à la ferme devrait revenir prochainement. Et puis, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, drôle et courtois, très attaché au partage avec sa communauté. Alors si avec tout ça, vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, eh bien qu'est-ce que vous attendez? Mais d'abord laissez-moi vous expliquer le pourquoi du comment de cette construction. Donc EpsiPlay nous a sollicité pour construire une maison, mais pas n'importe laquelle. La maison la plus originale. J'ai bien dit, la plus originale. Donc je me suis dit que pour faire de l'original, il fallait construire pour un original. Et Steve Fogel était le client parfait. Il vient de vendre sa case de Del Sol Valley à Judith Ward, il débarque à Soulani et il a bien envie de remonter un petit commerce. Ensuite, j'ai entendu ceci. Personnalisez votre maison. Faites-la pour vous, pas pour moi. Alors si vous me connaissez un peu, vous savez que j'affectionne les détails et associer une construction à une personnalité. Donc j'ai vraiment construit pour moi et Steve. Enfin je vais pas habiter avec Steve, hein, on est d'accord, mais vous m'avez compris. Je voulais réaliser sa maison, je ne savais ni quand ni comment, et ton challenge EpsiPlay a été l'étincelle de mon inspiration. Donc merci à toi. Enfin, tu nous as dit ceci. Je vous demande de vous faire plaisir plus que jamais à travers ce challenge. Alors je crois que c'est chose faite, j'ai pris énormément de plaisir à construire à Soulani, déjà cette map est une réussite, et construire pour Steve m'a fait délirer, hein. D'ailleurs je ne sais pas si vous êtes prêts pour la pièce spéciale. Enfin bref, ce challenge m'a inspiré cette nouvelle playlist inaugurée aujourd'hui, une journée avec, donc c'est un peu en marge de Destin Croisé, mais toujours dans la même save, c'est l'occasion de découvrir un personnage ou une famille, une construction et puis de jouer. Donc commençons par découvrir Steve et sa personnalité aussi originale que sa maison. Steve est un manuel, il a toujours aimé mettre les mains dans le cambouis. Aujourd'hui il pêche, il bricole, le bois, mais aussi des trucs de bidule. Il adore farfouiller le sable des plages à la recherche de trésors en tout genre. Il n'est pas vraiment là pour aider au nettoyage de Soulani, non, hein, c'est plutôt l'inverse. Les eaux autour de son habitation ont tendance à accumuler les déchets. Crasseux, Steve? Oui. Et pas qu'un peu, hein. Ce n'est pas un grand amateur de douche, mais pour le coup je ne lui en veux pas, hein. Je ne vais pas le forcer. Non pas que je force mes Sims à faire quoi que ce soit. Hein. Il est aussi pitre, il adore les blagues, et elles sont plutôt drôles hein, dans le genre, un peu potache, enfin vous voyez le genre quoi. Mais regardons un peu ses préférences. Au niveau des couleurs, il n'en déteste pas, mais le jaune, le bleu et le rouge lui plaisent plus que les autres. Question musique, il aime les musiques romantiques, le jazz et puis aussi le disco et le rétro. Il déteste juste les musiques de fêtes de fin d'année. Ouais, Steve n'aime pas Noël. Ses activités favorites sont le bricolage, la comédie, le chant et la danse. Oui, oui. Et puis la pêche. Vous ne le verrez jamais faire du sport, de l'escalade, du ski et encore moins du snowboard. Pour la déco, il aime le basique et la déco des îles. Mais le principal atout de Steve, c'est sa bonne humeur. Il est heureux, sa vie simple lui plaît, il aime ce qu'il fait, sans se soucier des autres, des apparences, et ça c'est plutôt une chance. Alors l'inconvénient, c'est qu'il est un peu sans gêne, plutôt mal élevé. Mais qui l'a donc élevé, ce cher Steve? Bien ce sont ses grands-parents, sa grand-mère surtout, hein, Mamie Fogel, Sylviane de son prénom. Sa mère l'a eu bien trop jeune, sans jamais savoir qui était son père. Oups. Ou bien elle le savait, mais elle n'a jamais voulu le dire. Mystère. Ce n'est pas Jacques Villarreal, hein, je vous le dis tout de suite. Sa mère a juste choisi son prénom, Steve. C'est le seul héritage qu'elle lui ait vraiment laissé. À ses 18 ans, elle s'est évanouie dans la nature, suivant peut-être encore un mauvais garçon et laissant le petit Steve à ses parents. Et il n'a pas eu une enfance malheureuse. Il a grandi dans la ferme familiale à Enford, mais n'a jamais eu envie d'y rester. Ses grands-parents y vivent toujours, et ça fait bien longtemps qu'il n'est pas allé les voir. Finalement, comme sa mère, il a un peu pris la fuite. Pour atterrir où ça? Eh bien dans cette bicoque. Donc parlons un peu maintenant de sa nouvelle maison. Pour la réaliser, il y avait la base d'EpsiPlay, mais je me suis aussi inspirée de photos. À partir d'une photo, mes idées fusent, mais il faut quand même le temps que ça infuse aussi.
Le concept, ce sont des containers au rez-de-chaussée, au-dessus desquels Steve s'est aménagé sa maison. L'idée est d'avoir un rez-de-chaussée pour des activités commerciales ou touristiques. Je vois Steve en loueur de pédalos crasseux, mais il n'y en a pas malheureusement, donc imaginez que ces jet skis sont de vieux pédalos. Je le vois bien aussi louer du matos de plongée pour des sorties en mer plus ou moins risquées sur sa petite barque. Je lui ai donc réservé une partie bricolage atelier et de l'autre l'espace vente location. Je me suis dit que ce terrain résidentiel aujourd'hui pourrait tout à fait passer en magasin. En prenant un terrain vide comme habitation, Steve pourrait passer la journée ici en donnant l'illusion qu'il y habite. Des grilles permettent de contrôler les accès car à l'étage, c'est l'habitation de Steve. Avant d'y monter, checkons les limites de la base des psyplets auxquelles j'ai rajouté le ponton, mais c'était autorisé. Bon, je sens que vous mourrez d'envie de découvrir la partie habitation, alors allons-y. On commence par la terrasse, qui offre une vue magnifique sur la baie. Mais Steve a surtout l'esprit pratique, et c'est là qu'il étend son linge, donc on oublie la vue. C'est là aussi qu'il vide ses poissons. Bonjour les odeurs. Et les mouches, oui, parce qu'il ne nettoie pas vraiment derrière lui. C'est aussi là qu'il grille les beaux poissons qu'il pêche sans aucune mauvaise conscience. À l'intérieur, on tombe direct sur la cuisine. Et j'aime beaucoup les associations que j'ai faites avec ces meubles, l'évier et l'arrière-bar qui donnent une impression de récup, bricolage et de bazar, du Steve tout craché. À gauche se trouve sa chambre, plutôt confortable, assez encombrée, mais bon, pas tant que ça. Le linge propre a quand même l'air de se perdre sous les meubles. La salle de bain, alors ici il y a un sérieux problème d'humidité, mais ça ne dérange absolument pas Steve. Il y passe vraiment peu de temps dans cette salle de bain, l'odeur de poisson ne le quitte jamais vraiment en fait. La pièce de vie, salle à manger, salon, tout en récup, avec ce pare-choc que j'imagine être un souvenir de sa casse de Mirage Park. Il a quand même sacrément plus de confort ici. Il a même une petite télé. Alors ça, c'est pour ne pas manquer scalpel et passion, qu'il regarde pour une seule raison. La présence dans cette série de son idole incontestée, j'ai nommé Judith Ward. Je crois d'ailleurs que le moment est venu de vous faire découvrir la pièce spéciale de Steve. Il voue un culte sans borne à Judith Ward. Alors vous pouvez observer ici les photos et affiches qu'il collectionne. Alors celles-ci ne sont pas de moi, je les ai trouvées dans la galerie. Par contre, j'ai eu à cœur d'imaginer les films et les séries dans lesquels Judith tourne et avait tourné. C'est une actrice caméléon. Hein. Là, c'est un peu l'esprit Kill Bill, ici Catwoman, Pretty Woman ou encore Princesse Leia. Là, n'importe quel western dans lequel elle jouerait la tenancière de bar. Le jeu de la dame, et enfin le petit clin d'œil à Scalpel et Passion. Judith, parmi ses nombreux talents, compte la chanson. Et Steve non seulement interprète les chansons de Judith, mais il s'essaie depuis peu au transformisme. Il s'est découvert cette passion et il se produit dans le bar du coin et remporte un vif succès. Je crois qu'à travers cette démarche, il est à la recherche d'une image féminine, celle de sa mère inconsciemment, et cet engouement pour Judith comble le manque de repères maternels dont il a souffert malgré tout l'amour qu'a pu lui donner sa grand-mère. Bon, maintenant que nous avons fait ce petit tour du propriétaire, je vous propose de passer un peu en jeu, de traîner tranquillement avec Steve. Bon, nous retrouvons Steve au petit matin, c'est un lève-tôt, il n'est que 5h48 et je vais vous montrer un petit peu le plan d'ensemble de sa maison. Enfin, c'est presque un appartement en fait, puisque tout à l'heure je ne voulais pas le montrer dans sa globalité car il y avait la pièce spéciale, mais voilà. Voici l'agencement complet, donc avec la terrasse, donc le salon, la cuisine, la chambre, la petite salle de bain qui ne respire pas les bonnes odeurs qu'on peut d'habitude trouver dans une salle de bain. Et voici donc, vous l'avez déjà vu, la pièce spéciale. Mais donc Steve se réveille. Alors, je crois que je vais installer un panier à linge parce que ça commence à s'amonceler. Et je viens de remarquer qu'il avait cassé... Enfin, c'est pas lui qui l'a cassé, mais on va... Non, je voulais pas la remplacer, je voulais la réparer. Oh bah mince. Bon. Voilà, je suis distraite. Parler et jouer en même temps, c'est pas mon fort. Alors, Steve, tu as faim. Et puis, t'as envie de raconter des blagues, d'améliorer ta compétence comédie et de créer des mots interdits. Tiens, pourquoi donc? Une petite colère passagère? Oui, ce serait pas impossible. Qu'est-ce qui va pas? T'es pas content, mais t'es censé être crasseux. Bah, tu sais quoi? Tu vas faire une petite lessive? Est-ce que tu changes l'eau? Non, Steve, il change pas l'eau. Mais tu peux pas. Ah oui, non, tu peux pas. Attends. Si, tu vas faire la lessive. Laver dans la bassine. Allez.
Je sais que t'en as aucune envie, moi-même je n'en aurais aucune envie, mais écoute. Ah, on n'est pas bien là, à laver son linge à Sulani quand même. Oui, t'as faim, mais peut-être que tu vas aller pêcher. Ce serait bien d'aller pêcher quelques poissons, ou t'en as déjà en fait, tu pourrais faire griller un bar, un sichlidé, une perche jaune, une sébastériceps, un discus, ouais. Ah mais ils sont putrides en même temps, un an moyenne. Ah, tu veux faire griller un bar? Est-ce qu'on peut le faire griller là-dessus le poisson? Non, en fait, non, on peut pas. Je peux pas griller en fait les poissons que j'ai pêchés. Moi, ouais, tu vas faire des bananes pour le petit déjeuner. Allez. Eh ben, dis donc, t'en mets du bazar ici. Et puis, c'est long, hein. C'est interminable. Je suis même pas sûre qu'en fait, t'aurais le courage de faire ça, Steve. Donc, j'adore cette idée qu'il vienne vider ses poissons ici. Et vous voyez, bon, il a mis quelques papiers journaux. Mais en fait, il s'en fiche, hein. Il nettoie pas plus que ça. Et c'est même allé jusqu'à dégouliner par terre. Ah, et vous voyez tous ces petits moustiques qui volettent, donc ils sont arrivés avec la mise à jour du nouveau pack Vie à la campagne, et je trouve ça assez génial, donc j'en ai mis pas mal autour des petites lampes, c'est surtout pour la nuit, mais bon, c'est pas grave en journée, hein, ça fait aussi moustique. Bon, il nous fait des petites bananes grillées, oui, des bananes cramées surtout, j'ai l'impression, Steve. Tout va bien pour Steve, hein. En fait, je trouve que jouer avec lui, c'est une petite partie un peu réconfort. Je sais pas si vous avez comme ça des parties où vous jouez avec des persos qui... Bah, c'est juste sympa de jouer avec eux, il n'y a pas de prise de tête. Voilà, on passe du bon temps. Ça fait du bien. La vie est douce. Ah, mais t'as envie de faire pipi. Mince. Bah, vas-y, hein. Je te laisse faire. Donc, je vais vous montrer un peu le rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, j'ai installé ces petites toilettes parce que je me suis dit que des personnes qui viennent au magasin, des personnes qui viennent faire de la plongée à la journée chez Steve, bah, il leur faudrait des toilettes aussi, hors de question qu'ils aillent dans son appartement. Donc je trouvais ça pas mal et ça se marie assez bien avec le bâtiment. Et finalement, c'est là où Steve va choisir d'aller aux toilettes. Pareil, j'ai rajouté les petits moustiques. Donc ça se présente comme ça en fait, c'est vraiment une petite plaquette, hein. Vous installez les moustiques. Et alors j'ai remarqué qu'il fallait les mettre à la bonne hauteur, voilà, parce que je m'étais étonnée que dans une mare que j'avais conçue pour tester en fait ces animaux, et ben ils volaient un petit peu au-dessus du niveau de l'eau, mais justement voilà, il faut calibrer la hauteur pour que les petits moustiques volettent bien au niveau de la lampe. J'en ai mis un peu partout, je crois que j'en ai mis un peu trop, et j'ai aussi mis un alligator, voilà, qui doit venir à la surface ici de temps en temps. Franchement, ça rajoute beaucoup de réalisme au plan d'eau. Bon, par contre, il n'y a aucune interaction possible avec eux. Hein. Bon, ça y est, Steve. Là, ça va mieux. Hein. Alors, on était parti faire quoi? On était parti pêcher, mais je vais vous montrer aussi un peu son... Bah, tiens, tu vas continuer le petit morceau de bois, là. Que t'étais en train de sculpter. Donc j'imagine bien ici qu'il récupère tout un tas d'objets, de pièces, il répare. Cette machine à laver, il l'a récupérée dans, je sais pas où, dans une casse ou quelque part. Et il espère bien la faire fonctionner parce qu'il en a un peu marre de laver son linge dans la bassine. Moi aussi, je dois dire. Mais bon, je me suis fixé comme objectif qu'il ne pourrait l'utiliser que quand il aurait amélioré en fait entièrement cette machine. Sinon, c'est pas drôle. Bon, alors c'est parfait. Je crois qu'on va peut-être organiser une petite vente ici. Vous voyez, j'ai posé là ce petit, cette petite table de vente qui vient avec Salvadorada. Je crois que tu vas vendre du poisson, donc à faire. Ton poisson, il est putride, mais on s'en fiche. Il y aura des acheteurs, c'est obligé. Obligé. Et puis, tu as trouvé ça, les doigts de Sulani. Alors, ça ressemble à quoi? Ouais. Bah, tu vas vendre ta petite sculpture, mais c'est parfait. Alors, s'occuper de la vente, on peut pas effectuer. Voir l'inventaire. Voilà, l'inventaire. Et ben, j'ai tout mis sur la table. Et maintenant, installer des objets. Voilà, vas-y. On va installer des objets. Nickel. Et maintenant, tu fais ton vide-grenier. S'occuper de la vente. Rush! Commencer un vide-grenier, faut pas oublier, voilà. Sinon, ça marche pas. Et donc, j'ai testé l'autre jour. Même avec cette petite portion de demi-mur, là, il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Donc voilà, il est chez lui, il fait un peu de vente,
Et ça marche. Bon, par contre, oui, effectivement, j'ai beaucoup de fond, là, c'est pas très logique. On va lui en enlever un peu. Bon, voilà, je lui ai laissé 5000 quand même, je suis sympa. Donc, est-ce que tu es un bon négociateur, Steve? Je ne sais pas, en fait. Tu vas faire un argumentaire de vente. Allez, vas-y. Va voir... Comment il s'appelle, ce monsieur? De l'autre côté. Mon poisson est frais, n'hésitez pas. Non, ah non, c'est, il n'a pas l'air convaincu. Par la fraîche... Mais pourtant, si, hein. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah, oui, augmenter les prix. 200%, allez. Soyons fous, hein. Il a peur de rien, Steve. Je lui ai même mis une petite caisse enregistreuse, là, au cas où... Bah, au cas où, voilà, on transforme aussi cet espace en magasin. Elle a pas l'air très réveillée, madame, là. Oui, d'accord, super, Steve. Non, mais... Où est-ce qu'elle va, mademoiselle, là? Ah, non, j'ai oublié de verrouiller les portes. Non. Non, je ne veux plus de ça, hein. Là, Steve, il vit tout seul. On va à ton domicile, parce que... Non. Bon, si je verrouille maintenant, c'est mort, elle va rester. Voilà, tu t'en vas et je verrouille. En plus, je vous dis que je peux verrouiller les portes, je ne l'ai même pas fait. Voilà, ça on verrouille. Verrouiller la porte pour toutes les volailles. Oui, c'est ça. Tout le monde sauf Steve. Bon, allez. Vous l'achetez mon poisson, là? Bon, le vide-grenier se termine bientôt. Personne n'a voulu acheter les doigts de Soulani, là, la main, là. On va bien finir par tout vendre. Voilà, c'est parfait. 60 simflouz, la petite sculpture de cheval. Tiens, mais qui voilà? Bon, c'est pas très logique que tu sois en tenue de chirurgien. Lui, c'est Kai Kaou. Kaou, c'est l'acteur qui joue dans Scalpel et Passion. Souvenez-vous, il habite sur la colline, juste là. Voilà, et la vue qu'il a depuis sa belle maison, bah, il a une vue plongeante sur l'habitation de Steve. Vive le MC Command Center, je vais pouvoir te changer de tenue. Changer la tenue, voilà. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore le MCC, eh bien c'est très pratique pour ça. Vous pouvez changer la tenue des PNJ qui viennent. Alors, est-ce que j'ai envie que tu viennes en slip zèbre? Non, peut-être pas quand même. Ça me paraît très bien. Et voilà, ni vu ni connu. On t'a jamais vu en tenue de chirurgien. Mais en plus, Steve, tu sais qu'il joue dans la série, puisque tu regardes Scalpel et Passion. Allez, invitez les voisins. Ça va être sympa. Toi, tu t'en vas, t'es pas un voisin. Allez. Vous sembliez avoir besoin de nourriture, donc nous avons décidé de venir vous en donner si vous le souhaitez. Oui, bah pourquoi pas. Et c'est quoi la nourriture en question? Elle est où? C'est quoi la nourriture en question? Bon, c'est pas grave. Ah, finalement, t'avais tellement envie de te mettre en slip zèbre, hein. Présentation... J'aurais tendance à dire grossière. Allez. Steve, c'est bien du genre à faire une blague graveleuse. À peine il rencontre les gens. Oui, ça démarre pas très bien quand même. Hein. Présentation grossière. Oh, j'ai pas vu s'il avait une bonne réputation. Oui, donc je vous avais dit, j'ai rajouté sans gêne et mal élevé. Hein. Je trouvais que ça collait bien au personnage. Non, pour l'instant, sa réputation est neutre. Bon, ma conversation est plutôt désagréable. Hein. Cette conversation est devenue assez déplaisante. Essayez de vous excuser ou prenez la fuite. Oui, je te vois bien prendre la fuite, Steve. Et tu pourrais lui raconter des blagues puisque tu avais envie de t'exercer à la comédie. Et de faire l'imbécile, tiens. Ça va peut-être pas arranger tes affaires. Rebo. Elle a peut-être pas d'humour, hein, cette dame-là non plus. Ah si! Oh, puis elle est où cette nourriture? Parce que tu commences à avoir faim, ce serait sympa en fait qu'ils nous disent où est-ce qu'ils ont mis la bouffe. Bon, tant pis, hein. Oh, on peut faire... Ah, on peut même faire des confitures avec ça. Oh, livraison de course, livraison de nourriture rapido. Mais c'est quoi ça? Oh, j'avais jamais vu. Ça doit être arrivé avec la mise à jour ou avec le pack, enfin avec l'extension. Ah mais Steve, ça reste toujours les pizzas, hein. Il est pas très légumes frais, hein. Et livraison de nourriture rapido, tiens, bon, on va essayer ça. Ah oh.
Oh tiens, t'as... bon allez, pourquoi pas. Hop, allez, petit pudding. Bon, puis une fois que t'auras mangé, ce sera peut-être le temps de te préparer pour aller au bar du coin. Remercier d'être là. Allez, sois gentil quand même. Se renseigner sur les loisirs. Il est pas en train de draguer, Steve. Hein. Non, c'est pas du tout, son genre. Hein. Je sais pas s'il est très intéressé par la gente féminine, en fait. Ah, Steve a appris que Liliana avait les préférences. Tu n'aimes pas le violon. Ok, bah ça te fait une belle jambe. Ah, ça c'est notre nourriture. Génial. Toi, t'as un look. Super. Mais pourquoi ils sont tous hébétés, les gens, là? Ils ont tous un air complètement hébété. Bon, va falloir que j'arrange le truc parce qu'en fait, ils considèrent que ça, là, c'est la porte d'entrée. Donc, ça va pas du tout. Il faut le payer, le monsieur, là, ou pas? Bon, allez. T'es grand seigneur, Steve. Donne-lui un pourboire. Et puis, on va essayer de récupérer ta nourriture. Une pièce en or, mais oui. Oui, mais ça commence à devenir assez crado chez toi. Hein. Alors, c'est quoi ce petit pudding, là? Ça ressemble à quoi? Bon, c'est pas mal. Bon, allez, je pense que tu vas pas tarder à te préparer. La nuit tombe déjà. Allez, carrément. En fait, quand Steve se prépare pour se grimer en Judith, c'est sûrement les rares fois où il prend une douche. Et en plus, il chante sous la douche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transformisme, c'est un art. L'art de devenir quelqu'un d'autre. Et Steve est un artiste qui interprète un rôle féminin, celui de Judith Ward, avec beaucoup de plaisir et de conviction. Cela demande un travail artistique colossal. C'est souvent très caricatural pour faciliter l'identification, et une interprétation tient un peu de choses. Si on plonge dans l'histoire, le transformisme traditionnel, très ancien, et remonte au moins au théâtre grec antique, où alors tous les rôles étaient joués par des hommes. Ouais, tu m'aides pas là, Steve, j'essaye d'être sérieuse, moi. Bon, en toute modestie, Steve a accepté que je le filme quelques secondes sur scène, mais avant, je voulais vous remercier pour votre présence bienveillante sur la chaîne. Prenez soin de vous, et à très bientôt. But indeed if we shoshoshi baru do if we lippy pippy pita oh we're it down sweet it down da-da.